体操第一よーい全力疾走いきなり走んのかよおい待てよおいもっと早く私の勝ちだ。Bonjour à tous et bienvenue dans Superplay. Tiens, le rebours, te voilà à nouveau. Oui, me voilà à nouveau. Pour un shoot Taito encore, je crois. Encore un shoot'em up Taito. Alors effectivement, la dernière fois, on avait eu l'occasion de voir Metal Black, ouais. Qui finalement, comme je le disais, a beaucoup apporté à la saga Darius, et entre autres à Darius Gaiden, donc à savoir cette version-ci, vu que là, je vais jouer sur la conversion Saturn, qui reste la conversion arcade perfecte, même s'il a des petits ralentissements. Mm-hmm. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ce sera un One Knife, ouais. Mais je tiens à préciser, parce que malheureusement, sur le net, et sur pas mal de rankings, notamment sur les rankings anglais, en fait, les joueurs jouent avec l'autofire, puisqu'il y a un code qui permet de le débloquer. Le cas, c'est que quand vous regardez des vidéos sur le net, c'est fait avec l'autofire, mais ça rend le jeu beaucoup plus facile. Donc, parce que t'envoies pelletée de tirs, ça réduit complètement la difficulté. Donc là, j'ai fait un run avec le tir de base, donc je m'éclate le pouce sur la manette. Façon manuelle à l'ancienne, puisque c'est après tout. Voilà, moi j'ai tout le temps joué comme ça et je considère qu'il doit être joué comme ça. L'autofire, c'est valable pour des modes de difficulté avancée. D'accord. Bon, bah on est parti pour un petit One Life de Darius Gaiden. Tout à fait, c'est parti. C'est parti. Donc voilà, c'est sur la version Saturn, vous avez le petit loading. Donc là, on débute. À noter qu'en fait, vous débutez en fait dans les décombres de Vadis, puisque 500 ans auparavant, la planète Darius a été détruite par les Belzer. Hein. Donc c'est dans l'épisode de 1986. Et donc là, ils détruisent à nouveau Vadis. Et là, ce qui est assez amusant, c'est qu'on va faire le voyage de retour. Donc 500 ans plus tard, les habitants de Darius retournent chez eux, tout simplement. D'accord. On va faire un long voyage à travers la galaxie. Donc là, déjà, un petit élément intéressant, c'est que, comme dans le premier Darius, t'as des éléments qui sont cachés dans les décors. Donc là, Pour les faire apparaître. Donc là, c'est un peu Rob Cree qui te rapporte entre 50 points et 51 200 points. Okay. Donc ça, c'est très important puisque tu as aussi des power-ups jaunes et qui, eux, ont la particularité en fait de détruire tous les ennemis présents à l'écran. Parce que ça me permet d'économiser des bombes. Et c'est l'une des nouveautés, notamment oui, dans les bombes en bas à gauche. Ouais. C'est les bombes en fait qui. En fait, c'est les bombes trous noirs, puisqu'en fait, elles aspirent les petits ennemis, elles durent assez longtemps et donc on peut profiter de cette période d'invincibilité pour avancer dans le jeu tout simplement. Alors là, il y a un mid-boss. J'ai pas eu le temps de capturer, en fait. On n'a pas eu le temps de voir un petit cristal, mais on verra par la suite qu'il y a une spécificité par rapport au mid-boss. Donc là, ça reste assez prévisible, hein, c'est pour le niveau, c'est assez calme. Donc vous remarquerez que comme dans le premier Darius, bon c'est pas le cas pour les tirs, mais vous voyez qu'il y a un système de level up des armes. Donc, oui, les barres. Voilà. En haut à gauche, tu as le missile et après à côté, tu as le bouclier. Donc là, voilà, je viens d'activer l'apparition d'un power-up jaune qui détruit tous les ennemis présents à l'écran. Donc généralement, quand ils apparaissent, il faut attendre un petit peu. Généralement, tu as tout le monde qui débarque. Voilà, et hop, tour de magie. Voilà, plus personne. Et donc là, en arrière-plan, un énorme poisson qui débarque. Voilà, le Golden Ogre, qui commence à accélérer le mouvement, là. Mm. Et ça, c'est... La première fois que tu vois ça, tu fais « Waouh !» C'est superbement animé. Et c'est vraiment le premier Darius dans lequel il y a vraiment une mise en scène très prononcée. C'est-à-dire, les deux premiers Darius, le boss débarquait, le oui, warning. Ils arrivaient mais, à tout bêtement. Rien de plus. Voilà. Et c'est aussi ce Darius-là qui va introduire ce que j'appellerais une diversité de patterns. C'est-à-dire, bon, les premiers boss, il n'y en a pas énormément, mais tu as des boss qui vont cumuler facile une dizaine de patterns à eux seuls. Ouais, quand même. Il y a vraiment une évolution dans le jeu par rapport aux deux premiers Darius qui étaient vraiment inscrits dans le programme. Ils sont vraiment représentatifs des shoot'em up du coin des années 80. Là, ils ont vraiment fluidifié l'action, ils ont vraiment voulu apporter une grande diversité. Ouais. Diversité qui existe aussi déjà du fait de la carte de sélection. Puisque, oui, qu'on vient de voir à l'instant. En fait, sur un run, tu parcours que 7 niveaux, mais tu as quand même 26 niveaux de mémoire ou 28 à explorer. C'est énorme. Donc, c'est vraiment, il y a une replay value vraiment énorme dans le jeu. Quand tu finis une route, tu n'as vu finalement que 12% du jeu. L'intérêt, c'est de voir le reste. Ils sont vraiment différents graphiquement, les boss sont différents. Les boss sont différents, même si on va voir qu'il y a le retour de pas mal d'habitués de la série. Hein. Oui. C'est un petit peu comme le Big Core dans Gradius, tu as toujours des habitués, on va dire. Ils reviennent tout le temps. On a beau les fracasser, vous en l'air d'aimer ça. Donc là, justement, on parlait du mid-boss dans le premier stage. Ben là, il y en a un nouveau qui va apparaître. Ils sont vraiment spécifiques à chaque niveau. Et là, donc, tu notes qu'il y a une espèce de petite orbe. Oui. Donc, quand tu te concentres sur l'orbe, tu peux la faire sauter. Et quand tu te positionnes dessus, tu prends le contrôle du boss. Enfin, tu prends le contrôle, c'est-à-dire il devient ton allié. Là, il est avec toi. Voilà, il est avec toi. Là, j'utilise l'auto-fire
de base du jeu pour que lui puisse balancer en fait toute cette qualité de petites billes vertes. D'accord. Mais faut dire que c'est pas indispensable de les capturer. Disons que ça apporte un bonus de points, notamment quand on finit le jeu, mais ils sont pas indispensables puisque en fait c'est à compter de Gedarius que ça va vraiment devenir intéressant. Cet élément de gameplay sera repris dans l'épisode suivant. D'accord. Et donc là, voilà, encore un power-up jaune. Là, t'avais un gros bordel, ça m'a permis de nettoyer la zone. Donc, à noter qu'à chaque palier de niveau pour le tir principal, tu gagnes une propriété. Par exemple, le quadruple laser a la propriété de traverser certains blindages ennemis, ce que tu ne pouvais pas faire avec le blaster de base. D'accord. Et là, par exemple, je viens de gagner, alors pour les gens qui connaissent Darius, le Wave. Là, t'es en Wave. Voilà, le Wave, il a la particularité, en fait, de traverser les structures. Et on va voir qu'au fur et à mesure des niveaux, le relief devient de plus en plus accidenté. Et donc, il faut vraiment systématiquement ramasser tous les power-up rouges, parce que les boss sont vraiment étudiés pour être pris comment dire, avec un degré de puissance maximale. Et donc, là, voilà, on retrouve une vieille connaissance. J'ai déjà vu celui-là. Voilà, ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le King Fossil, et c'était le premier boss dans le tout premier Darius de 1986. Ouais. Donc là, j'essaie de contrôler son taux de destruction. C'est-à-dire, là, pareil, j'utilise encore l'autofire de base. J'essaie d'orienter ses patterns. Pourquoi ? Parce que si tu calcules bien, je me répète, le taux de destruction du boss, je vais le tuer juste au moment où il va déclencher un pattern assez très chiant à esquiver. Touffu. Donc là, ça va, ça reste gérable. C'est à ce moment-là, tu vois. En fait, il a juste eu le temps d'ouvrir la bouche, il lui fait sauter la tête et voilà. Et quand il déclenche ce pattern-là, en fait, c'est un pattern, t'as plus de fenêtre en fait, pour positionner ton Silver Oak. Tu te retrouves coincé à un moment ou à un autre. Donc, là, c'est vrai que les boss paraissent relativement courts, mais on va voir que plus tu avances dans le jeu et plus ils deviennent résistants. Et c'est vrai que Darius, c'est quand même une série, je pense, bon, dans tous les shoot'em up, il y a le principe de l'endurance, mais c'est vraiment une série où vraiment les boss durent longtemps. Très, très puis longtemps. En plus, là, tu n'en vois qu'une route, mais donc il y a d'autres boss, il y a d'autres sûrement boss, il y a d'autres plus difficiles routes, aussi. Mais juste, voilà, j'indique, moi, la carte, je la connais à 100% en fait, tout simplement. Oui, t'as tout testé. J'ai tout testé, c'est l'intérêt du jeu aussi. Oui, hein. C'est vraiment un pur bonheur. Tous les niveaux sont différents, même s'ils réemploient certains éléments graphiques. Donc là, par exemple, tu vous dites, j'ai un tir plus puissant, t'as un grand wave. Mais le problème c'est que ce wave-là, il est très très chiant parce qu'en fait, il est plus large, on va dire. C'est intéressant, mais il y a une cadence de tir vraiment merdique. Ah. Ce qui fait que tu infliges moins de dégâts qu'avec le tir de niveau précédent. Mais par contre, tu vois, j'utilise finalement ce wave, regarde. En fait, ça traverse les structures, tout simplement. Ça me permet en fait de détruire des ennemis qui sont en arrière-plan. Donc là, ça aide beaucoup dans ce niveau. Ça aide beaucoup. Et là, tu vois le power-up jaune, j'attends encore. Et là, tu vois une série d'ennemis qui arrivent en bas à gauche. Et au milieu, t'en as un qui est violet. Ça te saute pas aux yeux. Mais c'est quoi le bonus violet? Ça te rapporte une bombe supplémentaire. D'accord. Sachant que les bombes, je vais pas les utiliser n'importe comment. Je vais les utiliser à des moments précis. Là, pareil, tu as une vie qui est cachée dans le décor. Donc à noter que les vies apparaissent au troisième niveau, toutes zones confondues, et au cinquième niveau. Donc ce qui fait que tu peux finir le jeu avec 5 vies. Et c'est un élément de scoring aussi, puisque les vies te rapportent des points bonus quand tu finis le jeu. D'accord. Donc là voilà, on arrive sur un boss du nom de Folding Fan. Donc là ça commence à devenir intéressant, puisque c'est déjà un boss, il n'a pas des masses de patterns, mais disons que tous ces patterns pris un par un, il va les cumuler quand il va vraiment être sur ses. Quand tu vas vraiment être sur le point de le détruire. Plus tu énerves et plus il cumule l'ensemble. Donc là, ça reste relativement calme. Là, il y a un petit safe spot assez amusant qui te permet de rester, continuer à lui fracasser la bouche, on va dire. Tranquille. Là, par contre, le pattern il est chiant à esquiver, donc j'utilise une bombe. Ça me permet de détruire un peu plus rapidement le boss. D'accord. Enfin, j'ai pas le détruire. Tu sais quand tu utilises tes bombes. Voilà, il y a vraiment un. J'utilise avec précision, même si il y aurait possibilité d'optimiser encore un petit peu. Mais on verra sur deux autres boss. Donc là, voilà, on arrive vraiment sur la dernière phase. Là, il commence à cumuler tout. Ils sont vicieux. C'est vicieux, voilà. Là, je me prends deux hits. Heureusement que j'ai le super shield. Un bon bouclier. Voilà, bon bouclier qui peut encaisser 5 tirs. Hein. Le premier en encaisse 3. Le deuxième, donc le super shield, donc la version argentée, en encaisse 5. Et ensuite, on verra qu'il y a une version dorée, donc qui est l'hyper shield, donc qui lui peut encaisser 7. Ouais, comme les armes, hein, on peut monter de niveau. On peut monter de niveau avec le bouclier. Et donc là, on arrive sur un niveau, donc pour ceux qui ont eu. Qui ont vu le run en fait des Diametal Black, là on a vraiment un niveau où il y a énormément d'effets graphiques qui ont été repris. Notamment, là par exemple, le saut en hyperespace, c'est issu du deuxième stage de Metal Black. C'est une espèce de traînée lumineuse, il y a un saut en hyperespace et on entre dans une autre dimension. Parce que Metal Black, c'était un peu le principe. On ne sait pas où on était. On ne sait pas où on était. Donc là, en fait, on arrive dans une espèce de dimension parallèle. D'ailleurs, il y a plein de clins d'œil. Tu vois, tous les sprites en arrière-plan, en fait, c'est des sprites issus de tous les Darius. Là, tu as tous les boss en arrière-plan.
qu'on peut reconnaître pas mal de boss. C'est un joli clin d'œil tout de même. Donc là, on arrive vraiment sur ce que j'appelle des zones bordéliques. C'est-à-dire, et ça arrive dans tous les sens, ça pète dans tous les sens, et ça devient très confus de suivre l'action, tout simplement. Mieux avoir un bon armement. Voilà. Ouais. Donc là, j'arrête de tirer parce que tu vois, ces espèces de petits modules, en fait, si tu tires dessus, bah eux, ils te tirent dessus aussi. Mais je suis obligé de tirer à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que t'avais un ennemi qui transportait une bombe. Donc t'as un risque à prendre. C'est assez chaud. Mais bon, derrière, t'as un peu au rebut. Je ne prends pas tout de suite. Voilà, je me laisse toucher, je le prends après. Oui, là, t'es passé au travers, mode bourrin. C'est toujours le même principe quand t'as un power-up bleu, donc bouclier. Généralement, quand il est là, t'as toujours une vague ennemie très très chiante à négocier. Et généralement, tu perds ton bouclier. Donc, tu le laisses voguer, tu le prends à la fin. Comme ça, t'as toujours un bouclier neuf face à la. Comment dire, pour mieux aborder le niveau suivant. Enfin, les phases suivantes, on va dire. Et donc là, encore, on est toujours dans le trip Metal Black. On arrive dans une zone. Ouais. Ça, c'est super étrange. C'est vraiment du Metal Black tout craché. Et là, on arrive sur un boss. Une entrée en scène bien sympathique. On n'est pas encore sur ce que va faire Taito avec Jedarius, où là, ils vont vraiment partir dans un délire complet, mais c'est quand même très très bien foutu pour de la 2D. Donc là, c'est un boss que je vais assez mal aborder, puisque le but, tu vois, c'est de faire sauter l'une des membranes, comme ça, il décale en arrière, donc t'évites de te faire coincer. Mais là, j'utilise cette bombe-là, elle est prévisible. Le problème, c'est que je l'ai utilisé trop tôt. Pourquoi ? Parce que regarde, je vais me retrouver coincé par ce pattern et là, je passe à la bourre, hein, je ne cherche pas à le comprendre. De toute façon, si tu restais sur place, tu te faisais coincer et tu crevais. Donc, il est assez agressif comme boss. Il est vraiment agressif. C'est d'ailleurs la version la plus dure parce que tu as des boss en fait, qui existent en duplicata, mais même s'ils sont le sprite elle-même, ils ont des patterns différents. Généralement, tu as 50% des patterns qui sont communs et les autres sont vraiment exclusifs. Donc ça vaut vraiment le coup de combattre tous les boss. Et là, tu as le dernier pattern. Il est vraiment affreux. Voilà, tu dois. Alors, tu dis, il n'y a que ça à gérer. Non. Mais t'inquiète, il est en balance en permanence. Tu dois orienter les tirs. Tout orienté. Voilà. Et d'ailleurs, je perds mon bouclier, je commence à flipper, mais j'arrive à le détruire juste avant. Et regarde, t'as vu comment ça t'englobe. C'est des tirs, ils te poursuivent. Et lui, derrière, il continue à en balancer, quoi. Et c'est à la fois très stressant, mais je trouve que ce pattern est vraiment juste génialissime. D'ailleurs, je crois qu'on voit ça uniquement dans ce jeu-là. Je suis pas sûr qu'on ait vu ça dans d'autres shoot'em up. Peut-être dans Jedarius, je crois, mais je suis pas très sûr. D'ailleurs, t'as développé au passage, je vois que t'as des petits Silver Oak qui t'aident. Voilà, qui effectivement. Tirent un peu dans toutes les directions. Voilà. En fait, là, c'est ce qu'on appellerait le Super Wave, vu que tu as donc en fait des mini Silver Oak qui tirent automatiquement vers les ennemis. Donc là, ce niveau, vu que j'ai un bon. Bon, là, d'ailleurs, je viens de gagner l'Hyper Shield. Ah oui, là, il est doré maintenant. Il est doré maintenant, donc je peux encaisser cette tir, mais bon, le jeu est quand même suffisamment difficile pour te faire. Oui, ça a été prévu. Pour. D'ailleurs, à noter, bon, là c'est pas encore très visible, mais à noter qu'à chaque fois que tu avances dans le niveau, tu as enfin, c'est un ranking que j'appellerais un ranking normal, c'est-à-dire plus tu avances dans le niveau et plus les ennemis se lâchent, plus les tirs deviennent rapides. Mais ça reste gérable. Là, comme j'ai un bon degré d'armes, tu vois, j'utilise le wave en fait pour détruire tous les ennemis qui sont dans les tirs au point. Ça fait bien le ménage, mais il faut faire attention aux espèces de soldats, notamment ceux qui sont en vert, parce qu'ils ont un gros lance-flamme. Ouais. Et ce lance-flamme peut te bouffer en une seconde ton bouclier. D'accord. Donc tu vois, il faut faire très attention. Il a une très longue portée. Et donc là, on rentre dans une base ennemie. Donc on va faire sauter la porte. Au début, tu trouves que c'est impressionnant, mais finalement, t'as pas de temps de tirer ça. Et donc là, je vais capturer ce mid-boss. Pourquoi ? Même si c'est vrai qu'on va pas le voir durant ce run-là, ce mid-boss-là, t'as certains boss où tu peux activer des coups spéciaux. C'est-à-dire, par exemple, dans ce cas-là, pour les amateurs de Street Fighter, si tu fait la manip d'un Hadouken, donc un quart de cercle avant, tu vois, il s'enroule et fonce vers les ennemis. Pourquoi je fais ça ? C'est pas que ce soit particulièrement utile, même si là ça va pas le faire, c'est qu'en fait, si tu le fais à certains moments, ça peut ralentir l'action en fait. Parce que la Saturne, le portage, il est vraiment parfait, mais pas arcade parfait, puisque tu as quelques ralentissements sur la version Saturne. Parce que regarde, ça devient un bordel à l'écran. Tu as ces espèces de petits ennemis qui arrivent par derrière, par devant, tu dois chercher à les orienter. Donc c'est pour ça que j'essaie de rester au centre de l'écran. Pour essayer de les orienter pour qu'ils se retrouvent derrière moi, notamment ceux qui arrivent par derrière. Et là, il faut vraiment pas mal anticiper. Il faut avoir aussi de bons réflexes, hein, parce que ça part un peu dans tous les sens. Donc ces images, je les abats très rapidement, sinon tu vois, ils se lâchent. Bon, là, il n'y en a qu'un seul, ça va. Tu peux détruire les portes, là, ou pas ? J'ai jamais essayé, je pense pas. Même les gens qui le font avec Autofire, je crois qu'ils n'ont jamais réussi à les détruire. D'accord. Je crois que c'est surtout parce là. On voit que ça prend des dégâts. Donc, voilà, mais je pense que c'est fait exprès, tu vois. C'est fait exprès, genre tu t'attardes là, et ensuite t'as un ennemi qui arrive et qui te tue. C'est un peu comme ces espèces de plaques qu'on voit dans Xivius. Les Bakio, là. Voilà, exactement. 256 coups, soi-disant. Oui, soi-disant, mais c'est une légende. Je pense que c'est à peu près le même principe. C'est une légende. Donc là, on arrive sur Fatigue Glouton. Fatigue Glouton, ça c'est du nom. Voilà. Ce boss qui existait aussi dans le premier Darius.
donc qui revient, ils aiment bien. Ah oui, qui est une horreur. Qui est une sacrée horreur. Ouais. Donc là, il a trois phases. La première phase, elle est relativement simple. La grosse particularité de ce boss-là, c'est que tu lui infliges des dégâts que lorsqu'il ouvre sa bouche. Mais le fait est que quand il ouvre sa bouche, en fait, il envoie des mini-versions de lui-même qui t'explosent et qui donc te balancent une série de tirs. Donc là, ça va, c'est simple. Donc je reste scotché devant, il me dit, oh, bah, il y a rien particulier. On voit rien apparaître, en fait. Voilà, on voit rien apparaître. Là, ça reste relativement simple. Mais le problème, c'est que le premier pattern, il est très simple, mais alors les deux suivants. C'est plus coton. C'est plus coton. Et là, c'est vraiment un boss où il faut être endurant. Il faut vraiment être très, très endurant. Et d'ailleurs, t'as vu rien que cette première phase, même si elle n'est pas spécialement intéressante, c'est tu long. Vois que c'est long. Mmh. Parce que uniquement au moment où il ouvre sa gueule, tu lui infliges des dégâts. Donc là, ça commence à s'exciter. Donc, comme sur Neon Light Illusion, tu as cette espèce de pattern que tu dois diriger qui te poursuit. Ça ressemble un peu au voilà. pattern d'avant. Et là, tu as un timing très précis à respecter. Parce que quand il ouvre sa bouche, tu dois détruire. Donc le... On ne les voit pas, mais tu sais, ouais. il envoie des mini-versions de lui-même qui te sautent à la gueule. Donc tu dois toujours essayer de rester calé au niveau de sa bouche. Et en plus, il se déplace, donc il t'oblige à le suivre. Ouais. Et derrière ça, tu dois en plus gérer un tir qui te poursuit, que tu dois orienter. Et en même temps, tu dois te rapprocher de la bouche. Enfin, c'est. C'est une petite danse, mais c'est ça C'est difficile, ouais. C'est difficile, mais ça l'est pas à la fois. Parce que finalement, quand t'as pris le rythme, ça devient automatique, en fait. Mmh. Mais c'est vrai que la première fois, quand tu tombes sur ça, tu fais mes gueules. Si tu rates une fois, il lâche ses mini lui. Voilà. Vraiment... D'ailleurs, on va les voir tout de suite. Voilà, ouais. tu vois. Et là, là, pareil, là, il accumule des patins. Là, la dernière phase, elle est vraiment horrible. Regarde. Tu vois, il essaie de scaler déjà pour te balancer les lasers rectilignes. Des fois, tu dois naviguer au milieu des mini-lasers et ne pas te manger le laser rectiligne. Et en même temps, il te balance une mini-version de lui-même qui explose. Donc, j'essaye de les détruire avant qu'il me foute le bordel à l'écran. Mais... Voilà. Et là, c'est vraiment de l'endurance pure et dure. J'aime beaucoup ce boss, dit en passant, parce que c'est vraiment jouissif, mais c'est à la fois extrêmement stressant. Une certaine adrénaline. Ouais. Voilà, c'est vraiment génial ici. C'est des patterns quand même. Pour un shoot old school, tout de même, je trouve que c'est des patterns assez élaborés. C'est pas du manique, mais par moments, voilà. Ouais. Mais mine de rien, comme le jeu est sorti en 94, c'était à cette période-là où finalement les shoot'em up ont commencé à transition. Voilà, la période de transition, ouais. avec l'arrivée de Cave. Psycho aussi qui commence à bien s'exciter de son côté. Taito, je pense, a dû piquer quelques idées. Enfin, a dû s'inspirer de ce qui se fait à côté. Donc voilà, tu vois, ça tire en longueur. Là, pourtant, le boss. Je vais utiliser une bombe, elle est tout de même prévisible, mais c'est tout à fait possible de tuer ce boss sans utiliser de bombe. Mais tu vois, en fait, il faut être endurant. Là, on voit que ton bouclier, là, voilà. il a pris un coup. Voilà. Là. Et comme je tente le One Knife, là, je lâche ma bombe, j'en peux plus. Mais il est tout à fait possible. Toi, ça, tu vois, c'est un des points d'optimisation qu'il pourrait y avoir sur ce run-là. Mm. Il est tout à fait possible de battre ce boss sans utiliser une bombe. C'est vrai qu'il est long, pourtant, t'es full il power. Il est très long. Mais voilà. Alors, j'imagine pas avec le tir de base. Et non, 20 minutes. Le tir de base, non, je ne pense pas. Sauf si t'es en auto-fire, c'est peut-être possible, mais bon, moi, je n'use pas de cette technique-là. Donc là, on revient sur Darius. On entre dans l'atmosphère. Oh, magnifique. Voilà. Ça, c'est quand même assez génial. Ça me rappelle beaucoup les Air Section, le deuxième niveau, quand tu rentres dans l'atmosphère. C'est un truc tout con, mais je trouve que ça a vraiment de la gueule. Et donc, 500 ans, on revient 500 ans plus tard, mais bon, voilà, on arrive dans la capitale de Darius, tout est détruit. Plus grand-chose. Donc là, par exemple, au niveau d'un immeuble, j'ai fait apparaître une vie supplémentaire. Donc toujours, donc ça c'est la dernière vie que tu peux avoir dans le jeu. Donc là c'est un passage assez tendu parce que tu vois il tire dans tous les sens, tu as les lance-flammes qui se cumulent, donc c'est un petit peu perturbant visuellement. Je récupère un petit bouclier qui fait du bien. Ces ennemis là, il faut les détruire très rapidement. S'ils touchent, ils te tuent pas, mais en fait ils bouffent ton bouclier automatiquement. Donc c'est pas trop conseillé on va dire. Oui. Et là par exemple tu vois je parlais du fait qu'il y avait beaucoup de relief dans le jeu. Là tu vois si t'as pas le wave, c'est même pas la peine d'envisager de traverser ça. Donc, c'est très étroit. Très étroit. Et bien sûr, tu touches un décor, tu meurs. Quoi. C'est vraiment l'ancienne. Et d'ailleurs, tu vois, les ennemis commencent à accumuler beaucoup de patterns en même temps. Donc, il faut vraiment naviguer au milieu de tout ça. Donc là, il va y avoir un mid-boss qui va arriver. Alors lui, je cherche même pas à le capturer. Parce qu'il est très très gros. Il déborde à l'écran et il peut te bouffer ton bouclier en 2 secondes. Donc là, on va même pas voir. Il y a un pattern vraiment très très chiant esquivé qu'on ne va pas voir. Donc là, tu as été en mode violent. Et c'est assez chiant. S'il commence à déborder à l'écran, il peut te foutre ta partie en l'air. Donc dès que j'ai réussi à traverser ce mid-boss, là, c'est relativement tranquille. Les ennemis apparaissent, tu fais le ménage. Tu commences à faire un petit ménage aussi au niveau de la planète Darius. Hein. On détruit les immeubles qui sont pas en très bon état. Et si tu meurs, tu repars à poil ou est-ce que tu gardes... Non, effectivement, dans les premiers Darius, les 2 premiers épisodes, quand tu crevais, tu repartais à poil, hein, comme dans un Gradus aussi finalement. Mmh. Mais là, tu as des paliers de puissance. Ce qui fait que même quand tu perds une vie, tu peux rattraper une partie. Tu peux espérer continuer, ouais, d'accord.
sans compter le fait que quand tu perds une vie, le rank baisse un petit peu. Okay. Et là, on a le Crosshammer, mise en scène vraiment incroyable. Il arrive, il détruit les immeubles. Tu as le soleil qui se couche en arrière-plan. Mmh. Quand j'aurai fini le combat, il fera nuit, tu vois. Mais c'est un petit détail, mais c'est très amusant. Ah ouais, non, il... Et là, déjà, très amusant. Le premier pattern, en fait, pour te caser dans le pattern, te caler dans le pattern, il faut que tu suives le mouvement en fait, du boss. Ça, c'est un truc très amusant. Et il a des patterns vraiment magnifiques, il s'enroule, ça part dans tous les sens. Vaut mieux le connaître. Vaut mieux connaître, c'est vrai. Là, pareil, au début, tu t'y attends pas. Il te met un coup de mandale, il te tire des lasers. Donc là, c'est vraiment des positionnements à connaître, tout simplement. Sachant que c'est pas ça le plus compliqué, on va voir que c'est vraiment ces derniers patterns qui sont vraiment horribles. Donc là, il va refaire le coup de la danse. Donc je suis le mouvement, mais là, il va balancer trois fois le pattern. Là, je pourrais passer par-dessus, mais je me suis mal calé, mais bon, ça va, là, j'ai pas trop encaissé, donc ça roule tout à fait. Là, par contre, on voit que la Saturne rame un petit peu, elle a un peu de mal. Mais mine de rien, ce pattern-là, tu perds en rythme, finalement, donc des fois, tu peux te faire avoir. Alors qu'en arcade, tu as tout de suite le déclic de dire, il va me foncer dessus. Ça peut, c'est quand même assez perturbant, c'est un peu gênant. Et là, il te saute dessus. Il peut t'écraser, petit cafard. Donc, il s'enroule tout le temps. Dès que t'as un temps mort, tu restes très très proche du boss. Enfin, là, par contre, ça, t'es obligé d'utiliser une mandale. Là, il occupe l'espace et il va ouvrir sa mandibule. C'est impossible à esquiver. Par contre, là, je fais une erreur. Tu vois, je me cale à gauche. Alors que ce pattern-là, tu peux faire en sorte de l'orienter. Ah ouais. Tu vois, j'aurais pu partir en haut à droite et revenir sur la gauche. Comme ça, j'aurais eu son pattern se serait suffisamment ouvert pour qu'il y ait suffisamment d'espace pour caser mon silver. Parce que là... Voilà. Ce qui fait que j'ai... Bon, alors je reste dans mon stock de bombes, mais là encore j'aurais pu en économiser une. C'est et là on arrive sur le dernier niveau, on est toujours sur la planète Darius, et donc là on va arriver dans une planète tropicale, enfin une planète tropicale, dans une forêt tropicale plutôt. Donc là c'est le dernier niveau, et là vraiment les ennemis se lâchent, tu vois les tirs sont un peu plus rapides, ça boulette un peu plus, donc bon, ça reste quand même relativement calme. On a quelques ennemis aussi qui vont à un moment arriver par derrière. Donc ça, c'est des trucs assez trade, je trouve, dans les jeux old school. Voilà, on ne prévient pas, il y a des mecs qui arrivent par derrière. Et d'ailleurs, ces aiguilles-là aussi, elles sont pas très très lisibles. Ça, c'est un petit défaut tout de même, il faut bien connaître ces patterns. Donc là, comme j'ai le wave, c'est très simple. Donc pareil, j'anticipe tous les ennemis à l'écran. Puis tu tires au travers des décors. Ouais, tu tires au travers, donc dès que tu es à pleine puissance. C'est aussi un des défauts, même si Darius Gaiden est infiniment plus équilibré, je vous invite à y jouer, on peut vraiment progresser très rapidement dans ce jeu-là. Moi, au bout de 3 mois, je connaissais l'intégralité de la carte. Bon, par contre, pour vraiment bien connaître le jeu, je pense qu'il faut y jouer pendant peut-être 6-7 mois tout de même pour vraiment bien optimiser. Mais là, ça reste relativement simple. Mais ça va commencer un petit peu à s'exciter par la suite, notamment avec le dernier boss. Ça, c'est normal. Donc là, tu as déjà un mid-boss que je dois très très vite détruire. Pareil, là, je ne cherche pas à capturer. Pourquoi ? Parce que tu vois, il y a des tourelles en bas et lui, il déborde. Tu vois, il déborde à l'écran, il tire vraiment dans tous les sens. Et le truc, c'est d'économiser mon bouclier pour le dernier boss. Parce que là, j'ai plus de power-up bleu. Si je me souviens bien, il n'y en a plus dans cette dernière phase. Il te reste une bombe. Voilà, il me reste une bombe en plus qui est finalement assez juste, même si c'était prévu comme ça. Donc là, pareil, tu vois, tu as les ennemis derrière donc cette espèce de sculpture, donc je profite du wave. Je continue à ramasser les power-up. Ça rapporte du point et je level up aussi mon quadruple missile parce que ça aussi, ça inflige beaucoup de dégâts. Hein, donc c'est assez utile de l'upgrader. Alors ça, il faut connaître. Et là, tu as des ennemis qui vont arriver par derrière. Donc là, il faut essayer de bien orienter donc leur tir, tu vois, pour pas te retrouver coincé. Donc là, j'ai fait un espèce de petit demi-tour. Donc là, toujours petite mise en scène, vraiment très très bien rendue. Hein. C'est juste avec de la 2D, mais je trouve que c'est... petit arc-en-ciel. On est au-dessus d'une forêt, là tu as des oiseaux qui s'envolent. Et pourquoi s'envolent-ils ? Que se passe-t-il ? Eh bien parce que tu as un gros méchant boss qui t'attend. Là, il fait sauter donc cette espèce de jetpack. De jetpack et il jette le feu en fait dans la forêt. Il est bien. Donc là, déjà, j'oriente le boss. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va te faire un coup de réacteur et il va essayer de te coincer avec. Mais comme je l'ai bien orienté dès le début, tu vois. Mais ça passe de façon très juste. Si tu sais pas la première fois, tu voilà. Tu y passes. Là, pareil, il va sortir une tourelle. Mais ça, c'est imprévisible. Hein. Et donc, tu vois, j'essaye de caler son tir de façon horizontale parce que sinon, s'il remonte en diagonale, il te coince. Donc ça, pareil, c'est à toi d'orienter le tir. Et là, je vais avoir beaucoup de chance. À un moment, comme dans tous les Darius, en fait, tu peux faire sauter des petits éléments du boss. Et tu vois, il y a eu un petit décalage. Ouais. Parce que quand il fait un deuxième coup de réacteur, il te bouffe le bouclier. Et là, comme je l'ai fait décaler, j'ai eu de la chance, bah, j'ai toujours mon bouclier. Donc là, je me dis... Normalement, tu le perds d'habitude. D'habitude, tu le perds. C'est pour ça que d'ailleurs, ce boss est très chaud, tu dois le faire à poil. Il n'y a plus de bouclier. Mais là, j'ai vraiment eu de la chance. Je le reconnais. Donc ça, bon, ça reste prévisible. Bon, enfin, prévisible, il faut s'y attendre tout de même. Donc là, il me refait le coup de cette petite tourelle. Bon, il y a un pattern qu'on ne verra pas, parce qu'en fait, ils sont aléatoires, les patterns aussi. C'est ça la difficulté de ce boss-là, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Donc voilà.
Là, par contre, il a failli me coincer et là, je vais déclencher ma bombe. Parce que là, en fait, il fait le pattern du réacteur. C'est-à-dire, il essaie de te coincer. Et là, c'est aléatoire. Parce que là, très sincèrement, il aurait pu me remonter et me coincer avec le réacteur. Ce qu'il n'a pas fait. Donc, heureusement, encore, il est resté au centre. Voilà, heureusement qu'il est resté au centre. Et là, je me dis, est-ce que je vais encore en avoir pour longtemps? Et non. Parce que quand il commence à balancer toutes ces mini-versions de lui-même, c'est que tu sais qu'il est bientôt mort. Donc là, j'ai plus de bombe, mais j'essaye de bien gérer. Donc je vais un petit peu en bas, je remonte pour le détruire. Donc ça, par exemple, ça pourrait être une zone de leeching pour quelqu'un qui voudrait faire du score. Oui. On pourrait s'amuser à le faire. Mais bon, on ne peut pas leecher indéfiniment dans les Darius, puisqu'au bout d'un moment, tu as des espèces de petits blocs qui viennent te gêner. Ouais. Tu ne peux pas leecher indéfiniment. Et donc là, on est revenu sur Darius, on a libéré notre planète 500 ans plus tard. Et donc là, on a des petits. Des gens qui vont venir t'accueillir, les locaux. Ah bon ? Voilà, nous allons voir qui sont ces personnages. D'ailleurs, on se demande si on est vraiment atterri sur Darius. Voilà. Je me demande plutôt si on n'est pas sur Andor. C'est peut-être des Ewoks. Oui, oui. Peut-être qu'ils ont fait tout ce parcours pour rien. Hein, bon, c'est mignon, en voilà, tout cas. C'est mignon. Ils offrent des trucs. Donc là, on voit notamment Proko et Tiyat, vu que dans tous les Darius, tu as toujours un protagoniste mâle et un protagoniste femelle. D'accord. Et, pour chaque vaisseau, voilà. C'est ça. Et Proko et Tiyat, il y a une petite anecdote par rapport à ça. Si tu inverses, en fait, ça signifie Taito Corp. Taito Corporation. Donc oh les noms n'ont pas été choisis pour rien. C'est ça un petit détail amusant. Ça va loin. Voilà. Donc. Ok, bah écoute, c'est fait. Le One Life, bien joué. Le One Life, bon, ça m'a réclamé quand même du temps. Ouais. Donc, juste pour revenir sur la version Saturn, éventuellement, en fait, il y a des spécificités sur cette version-là, parce qu'elle n'est pas complètement arcade perfecte, elle a même des éléments en plus par rapport à l'arcade. Donc, déjà, premier point, tu as un mode de difficulté ultime qui s'appelle le mode abnormal. Ouais. Donc, ce mode-là, c'est juste un truc de fou furieux. C'est plus dur que l'arcade, c'est-à-dire, vous imaginez des patterns de manip dans un shmup old school. Voilà. Avec un masque de collision à l'ancienne. C'est un truc complètement affreux. Donc, j'ai vu qu'un japonais qui a réussi à le finir dans ce mode-là, et il faut connaître. Tu as aussi un petit élément qui est assez amusant. En fait, il y a un bug dans le jeu. Ouais. Dans la zone E plus particulièrement, où tu combats un boss. Et j'ai jamais réussi à le déterminer. J'ai essayé de le faire parce que je me suis dit que ce serait sympa pour Big Bug Hunter, mais malheureusement, j'ai jamais réussi à le déterminer. J'ai trouvé aucune information. C'est-à-dire, généralement, tu as 3 millions de points à peu près quand tu arrives dans cette zone-là. Et je ne sais comment. Ton score peut augmenter de façon exponentielle. C'est-à-dire, tu peux avoir. Il décolle. Voilà. Moi, une fois, j'avais pris une photo à l'époque, j'enregistrais pas mes parties. J'avais un score à 93 millions. 93 millions. Ce qui est impossible, et même quand tu finis le jeu, tu ne peux pas enregistrer ton score, puisque c'est pas prévu pour enregistrer un score aussi élevé. Ouais, donc c'est un bon gros bug. Voilà. Et dernière spécificité, c'est la zone M, où tu as le Titanic Lens, qui est un boss extrêmement connu, cette espèce d'énorme fusée. En fait, le boss était tellement dur dans la version arcade, il était presque aussi dur que des boss de fin. Ouais. En fait, ils l'ont rééquilibré, c'est-à-dire il est moins résistant, les patterns sont un peu plus lents, et ils ont retravaillé un pattern. Ce qui fait que dans la version Saturn, c'est un boss dur, mais on peut le détruire. Il est plus abordable. Il est plus abordable. D'accord. Donc voilà. des petits rééquilibrages, si je puis dire, mais ça reste une très bonne version. Très très bonne version. C'est la meilleure version. Il y a une version PlayStation aussi, mais bon, a priori, tu as des phases d'animation moins, enfin, comme toutes les conversions 2D sur PlayStation, malheureusement. C'était un petit peu au rabais. D'accord. Voilà, un petit peu au rabais. Et sans compter le fait que ça ne coûte que 15 euros. Donc voilà, si vous avez une Saturn, achetez. Non, faut pas. Bref, bah, en tout cas, bravo. Et puis, quelle sera ta prochaine victime? Écoute, je pense que dernièrement, il y a pas mal d'indices tout de même dans les derniers runs que j'ai présentés. Mais bon, on ne va rien dire. Ok. Bon, et puis en plus, bien sûr, tu as choisi ta route pour, comment dire... C'était une route que j'aimais bien, tout simplement, parce qu'il y avait des patterns intéressants. Mais éventuellement, si vous voulez aller sur ma chaîne Dailymotion, donc le robot en 1982, vous avez des runs de tout et n'importe quoi que vous pouvez éventuellement regarder, notamment sur d'autres jeux. Donc, un très bon jeu, en tout cas, une belle performance, merci à toi. Merci à toi aussi, nouveau quand même. On se revoit pour une prochaine. Oui, je pense. Je pense aussi. Allez, quel suspense. À plus. Merci. À bientôt. À bientôt.